pas, je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film. Ce qui est certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour moi? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je suis très contente d'avoir été élue par les autres membres du comité. C'est une marque de confiance qui est encourageante, stimulante pour cette fonction de présidente de la SACD. Je représente le comité belge et donc tous les auteurs belges au comité français de la SACD, au conseil d'administration français, puisque la SACD a une maison mère qui est la SACD France. Donc c'est important, cet aller-retour entre les deux maisons. Et puis, il y a un boulot plus quotidien avec l'équipe, avec Frédéric, Jung et les autres membres de l'équipe sur certaines réalisations, sur la préparation des réunions, sur les choses qu'il faut anticiper avant d'en débattre avec le comité et de prendre des décisions avec le comité. Copyright, droit d'auteur, voilà, qu'est-ce qui a la main, qu'est-ce qui est le plus important, le commerce ou la création? C'est des philosophies complètement différentes, des manières d'envisager la création totalement différentes, qui s'opposent, qui sont... ça ne concerne d'ailleurs pas que le droit d'auteur. C'est un problème qu'on rencontre dans plein de secteurs. Le fait que ceux qui font, ceux qui créent, ne sont pas forcément ceux qui sont les mieux valorisés, quoi. C'est aussi un boulot de lobbying, si on veut. Donc il y a tout un travail qui est fait vers toutes les personnes de pouvoir susceptibles d'influencer notre sort d'auteur. Donc Frédéric et l'équipe représentent les intérêts des auteurs, mais bien sûr, c'est fondamental et jamais l'équipe ne mène une action ou ne décide sans que le comité soit à l'origine, en parallèle, en continu, sollicité, informé, qu'on suggère des idées, qu'on oriente la politique. Donc c'est vraiment les auteurs qui sont le centre de la maison. Bien entendu, dans le comité, il y a des personnes qui représentent, qui ont été élues par les auteurs et qui représentent les différents répertoires. Donc il y a quelqu'un qui représente la radio, la chorégraphie, le spectacle vivant, le cinéma, la télévision. Et donc chaque fois qu'il y a une négociation importante, un travail important à faire sur un dossier, une réflexion à mener, un groupe de travail à organiser, alors sont sollicitées dans le comité les personnes qui sont plus expertes de ce domaine. Le travail qu'est en train de mener la ministre et ses équipes, c'est bouger les lignes, c'est l'artiste au centre, puisqu'il ne s'agit pas que des auteurs. Mais néanmoins, en ce qui nous concerne, remettre l'artiste ou l'auteur au centre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, très concrètement, est-ce qu'il est normal qu'une production culturelle se fasse en payant pas ou peu ceux qui imaginent, écrivent, créent, réunissent les gens, conçoivent, et garantissent la bonne fin d'une création culturelle, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça ne pose pas une énorme question à notre secteur culturel, la manière dont sont rétribués les auteurs et les artistes? Alors, on espère qu'on puisse envisager la revalorisation du travail que font les auteurs sans se mettre en opposition à qui que ce soit. Tous les acteurs sont nécessaires dans cette revalorisation des auteurs. C'est-à-dire, quand les auteurs font un projet, je pense que dans plein de cas, ils sont coproducteurs de leur projet. Ils le sont d'une façon implicite. C'est-à-dire qu'ils travaillent en amont énormément. Ils déploient un réseau, ils utilisent leur réseau, ils écrivent, ils préparent, ils repèrent. Il y a tout un travail qui, je pense, est mal valorisé et sur lequel je pense qu'il y aurait une réflexion commune à avoir entre producteurs et réalisateurs et auteurs et scénaristes, etc. Donc ça, c'est plutôt pour le domaine du cinéma. Mais je pense que c'est également valable pour le théâtre et d'autres secteurs, qui serait de ne pas se voir à ce stade-là comme en opposition, genre la part que tu ne me donnes pas, c'est pour qu'elle te revienne à toi. Mais bien, comment est-ce qu'ensemble, on peut réfléchir à des nouvelles manières de fonctionner, dans lesquelles, avec des subsides qui, il faut bien dire, ne vont pas aller en grandissant beaucoup, permettent à des gens entreprenants, à des auteurs qui ont envie de déployer des projets, d'en être partie prenante.
Après, nous, notre job, c'est de défendre le fait que soit valorisé, d'une façon ou d'une autre, le travail que font les artistes et les auteurs, quoi.